Et salut tout le monde, c'est le Queener. Nous nous retrouvons dans l'épisode 2 de la saison 1 sur la survie en solo de Minecraft. Nous allons tout de suite y aller. Toujours pas qu'on s'était arrêté un petit truc vraiment pas très grand parce que on n'avait pas bien eu le temps parce qu'on parlait plus qu'autre chose. Mais ce n'est pas grave. Et là, je pensais à mettre le chronomètre. Tant mieux. Donc. J'ai peut-être quelques trucs en plus, c'est normal, c'est parce que j'avais un peu j'avais fait des tests, mais non, ça allait pas. Il y avait un truc qui allait pas. Est-ce que je peux au moins casser des blocs corrects? Voilà. Il me semble que j'avais vu un squelette ici. Un beau petit squelette là. Ah, du charbon, c'est bien ça. Donc voilà, désolé si je parle pas beaucoup. J'ai sur un petit mur parce que j'avais bien vu un squelette à l'intérieur. J'étais pas fou. Et donc, hop, on va pouvoir, non, on va pouvoir se ramasser du charbon et de la pierre, je pense que la pierre, il nous en faudra beaucoup pour se faire déjà des armes, pierres, des trucs comme ça. Ensuite, on ira découvrir un peu la map. Voilà, 5 déjà pas mal, 10, c'est pas grand chose, mais bon. Donc, je vous dis, donc, comme je vous disais dans la précédente, dans l'épisode 1, comme il arrive les vacances, là, ça va être, je pense, vachement mieux pour pouvoir faire des vidéos. J'aurai sûrement vachement plus de temps qu'avec les devoirs, c'est un peu plus pénible ça. Donc j'espère que cette nouvelle saison, bah, cette première saison vous plaira. Et si c'est le cas, bon, bah, je pense que j'en ferai d'autres. Par exemple, prendre un multijoueur avec un pote à moi. Donc je vous mettrai peut-être un ou plusieurs serveurs. Alors, écoutez bien, donc, un ou plusieurs serveurs pour les versions craquées. Donc ça marche pas en version payante. Moi, bon, logique, moi j'utilise la version craquée parce que je pense que je vous mettrai un lien dans la description du serveur craqué. Du serveur craqué. Désolé, je dis que des conneries aujourd'hui. Du crack. Donc, si vous voulez déjà y craquer, un petit conseil, ouvrez-y avec WinRAR. Ça sera, je pense, le mieux pour y ouvrir. Sinon, si vous y avez, par exemple, un truc qui a pas grand-chose dessus, ça va vous... D'habitude, vous l'ouvrir automatiquement avec VLC Media Player, qui est un truc de lecture vidéo, des trucs comme ça. Et ça, on s'en branle. Voilà. Voilà. Et comme là, je suis en train de tourner juste avant les vacances, j'ai la flemme, en fait, de tourner. Vraiment, parce que comme j'ai fait une saison, je me suis dit, bon, bah, je suis con parce que j'ai fait une saison juste avant les vacances. Ici, j'ai pas envie de tourner la saison, ça va pas le faire. Oui, et là, il est pas au top. Putain, je trouve qu'il y a bien du RAM là. On va y mettre à 4. On va mettre à... Pas si mieux. Pas l'impression. On peut le voir là parce qu'il me semble que j'ai vu une petite crotte. Alors là, je suis tellement con moi que j'ai pas pris de viande. C'est bien ce que je disais, je suis tellement con que j'ai pas pris de viande. Le lock aujourd'hui va pas très bien. Donc sinon, je pense que au lieu peut-être de vous mettre des liens dans la description de serveur. Je pense que je ferai directement une vidéo sur quelques serveurs. Parce que j'en ai pas mal là. Je vous dirai par exemple des inconvénients ou des trucs qui sont bien.
On va aller commencer à faire une petite maison. Parce que là, on n'a pas trop le temps. J'ai rien à leur donner. De la pierre. De la pierre. Ou pour les autres, pour ceux qui veulent savoir. De la. Stone, la cobblestone, il me semble. Moi, c'est en français, donc ça va pas bien afficher pareil. Mais c'est tout aussi bien. Je trouve qu'en français, c'est même mieux, en fait. Donc, si vous voulez savoir, moi, c'est la team Extreme, ou Extreme, je sais pas, qui a fait le crack. Donc, je pense que. Je sais pas si elle est connue. J'ai demandé à un pote qui s'y connaît bien là-dedans si elle était connue. Il a peut-être déjà entendu parler, mais il sait pas trop, en fait. Donc oui, ce que je disais, là je récupère déjà pas mal de pierres, et là comme il va faire nuit, je suis déjà pas bien habitué en fait moi à sortir dehors. On est déjà à 6 minutes, je pense que j'arrêterai à 7 minutes, juste en ayant posé quelques trucs. Alors... On va pas tout mettre, on va mettre 2... Et à 7 minutes à peu près, je pense qu'on en fera. Donc, comme je vous disais, moi, hein, je vais pas mettre de longs épisodes car je trouve ça assez nul. Parce que ça va être assez pénible. On va faire un petit four, un fourneau, c'est pareil. On va mettre là, allez, hop. Et. Je voulais essayer un truc, je sais pas si ça marchait. Si. C'est un petit bateau si on voudra aller sur l'eau. Donc, c'est sur cette petite maison hein, que la vidéo se termine. J'espère que vous aura plu. Et comme je vais pas faire de longs épisodes, la prochaine fois on va se retrouver ici. Allez, entre ces deux cubes. Parce que je n'ai rien à foutre d'autre. Et je pense qu'on ira chercher maintenant de la viande et découvrir un peu si on trouve des points d'eau. Allez, salut tout le monde. Et à la prochaine.